Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Qu'est-ce qui s'est passé de cette nuit 2 de WrestleMania 37 dans la nuit du dimanche 11 avril au lundi 12 avril, c'était à 2h du matin, commenté en VF sur le WWE Network par Nadir Mohamedi et Christophe Ajuste. C'était la bonne surprise du week-end. Après, une nuit 1, excellente, voilà, je vous en ai donné mes appréciations, vous avez regardé le Qu'est-ce qui s'est passé de la nuit 1, par contre, qu'est-ce qui s'est passé les copains? Plus de 22 000 vues en l'espace de 24 heures et seulement 1700 pouces bleus? Oh, au moment où j'enregistre cette vidéo, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah alors, le FC Pouce Bleu, il est où? Oh, bah vous aurez pas de qu'est-ce qui s'est passé nuit 2 si ça augmente pas un peu, là. Tiens, hey. Bien! Et on est parti pour chroniquer cette nuit 2. Bah oui, parce que je vais quand même le faire. Merci du soutien en vous rappelant que le planning est toujours en cours, qu'on a plus ou moins respecté les délais. Voilà, on a eu une heure décalage. Une heure, un programme qui a été décalé d'une heure. Franchement, jusqu'à présent, on s'en sort bien. Et demain, l'Euro Recap après WrestleMania. Et celui-là va être attendu. Oula, hein, parce qu'il s'est passé des choses dans cette nuit 2 qui vont vous donner envie de regarder Raw. Point météo, alors qu'ils annonçaient voilà, des tornades, etc. Encore une fois, ça s'est bien passé, ça va, un petit peu de crachin, on appelle le crachin, un temps mitigé, un peu de crachin en début de show. Pas de discours de Vince McMahon, on envoie les clips, des plans sur la foule, voilà, c'est la deuxième nuit de WrestleMania, il y a toujours du monde, il va y avoir de l'ambiance. Ça, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu plus d'ambiance authentique sur cette nuit 2 que sur la nuit 1. Oui, parce que on va tout de suite parler, encore une fois, de Kevin Dunn, de son camion et des fausses ambiances hein, créées. Ah bah, ne serait-ce qu'hier, en fait, un des trucs les plus choquants, c'était les bruits de foule. Rajouté en faveur de l'apparition d'un certain Hulk Hogan, alors que clairement en réalité c'était plutôt ça. Alors je me doute que c'était conseil de crise, hein. Il faut trouver des moyens de réhabiliter Hulk Hogan, on va faire des trucs un petit peu c'est fun là, voilà, comme le dirait un vieil homme au loin. Vieil homme au loin. Vieil homme au loin. Il est pas là, le vieil homme au loin? Mais venez faire le show avec nous, enfin, les gens cliquent pour ça, ils mettent des pouces bleus pour vous, ils s'en foutent de moi, en fait, de ce que je raconte, ils attendent que vous dites des conneries à chaque fois. Vieil homme au loin! Mais vous allez pas me planter là, maintenant, alors qu'on réhabilite Hulk Hogan, vous l'avez déguisé en pirate, avec Titus, ils sont venus en pirate! Ils sont venus, et vous me laissez, là, couvrir le drame, tout seul! Ils sont venus en pirate. Ouais, la piraterie, voilà. Et ils sont venus parler pour rien dire. Ils ont fait ouais, la soirée de WrestleMania, tout ça. Et à chaque fois que ça passe sur Hulk Hogan, ils ont du mal quand même à masquer les bouts. Hein. Ça se sent, mais. C'est fun. S'écrit un. Je vais devoir trouver un truc, moi, je sais pas. Et en plus, l'opener, c'est le Fiend contre Randy Orton. Là, comment on va faire si on n'a pas de gag? Oui, ça a été annoncé dans la journée d'hier que le Fiend contre Randy Orton allait ouvrir le show. Allons-nous avoir un match cinématique? Allons-nous avoir des effets spéciaux totalement incroyables? Ah non. Déjà, on va voir l'entrée de Randy Orton. Soyez contents, ça va durer 4 minutes. Qui vient habillé de blanc vêtu? Un signe qu'il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur. Bah non, tu portes pas du blanc si t'as peur. Bien sûr, si tu te chies dessus, ça se voit. Donc 4 minutes d'entrée, je le disais, Randy Orton qui pose, voilà, des belles images avec les feux d'artifice derrière, oh là là. Et on nous remontre des images de toute la storyline entre le Fiend et Randy Orton, certainement pour la dernière fois. Quoi, vous êtes pas au courant de ce qui se passe entre Randy Orton et le Fiend? Bah, je vais vous expliquer. Il y a quelques mois, Randy Orton a brûlé le Fiend a brûlé, il a cramé sous nos yeux. Alexa Bliss, qui l'a protégé du Fiend, a commencé à faire des incantations pour essayer de ramener le Fiend à la vie. Elle a envoyé des boules de feu à la tête d'Orton, elle a commencé à cracher du pétrole. Randy Orton a craché du pétrole également. Et le mois dernier, à Fastlane, le Fiend est réapparu, a attrapé la cheville de Randy Orton, a aidé Alexa Bliss à battre Randy Orton dans un match 1 contre 1. Le lendemain à Raw, Randy Orton a tenté de cramer le Fiend, mais le Fiend a réussi à s'en dépêtrer. Et j'occulte évidemment plein de trucs hein, sur l'histoire. Voilà, Randy Orton qui voit Randy Orton et qui commence à avoir peur. Mais là, il a pas peur, j'ai dit, il a un slip blanc. Et juste après la diffusion de ce clip totalement incroyable qu'on a vu un milliard de fois, un plan dans une espèce de couloir avec de la fumée, on y découvre le visage de Fiend qui avance le long de ce couloir et qui se transforme. Le mec se transforme en Fiend de d'avant. Donc il revient, tu vois, en Fiend de d'avant. Le Fiend qui a brûlé, en fait, qui a perdu contre Randy Orton. Il revient, tu vois, en downgrade. Donc Randy Orton, comme les 25 000 personnes présentes à Tampa Bay, bah, ils regardent ça sur l'écran géant, ils disent, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? La lumière
s'éteint et c'est Alexa Bliss qui va faire son entrée, figurez-vous. Elle est là, elle est contente, elle a le saute, elle a été au manège. Tu sais, elle a été au manège, on lui a fait le petit maquillage. Tu sais, les enfants à qui on fait des maquillages quand ils vont au manège, ils payent ça 5 francs et hop, c'est en francs, tu vois. C'est, moi, c'est des images d'enfance que je revois. Elle est toute contente, j'ai fait un maquillage. Et j'ai une grosse boîte, une grosse boîte. Et en effet, il y a une grosse boîte qui est alimentée sur secteur. Et bien entendu, tous les gens dans l'arène qui font ouvre la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est Eric Rowan. Non, c'est qui d'ailleurs? Eric Rowan. On l'a jamais su, ça fait partie des mystères de la chaîne. Elle ouvre la boîte avec une petite musique. Ta 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 ta. Cette vanne a duré beaucoup trop longtemps. Et le Fiend sort de la boîte. Le nouveau Fiend avec un nouveau masque. En fait, non, c'est l'ancien masque, mais il est plus propre. Mais il est moins joli aussi que le dernier. T'as l'impression que c'est une réplique, tu vois, qui vend à 500 balles là, sur le WWE Network et qui rend pas justice, tu vois, à l'original. Donc, c'est ce feat de là, de ce fait, qui va aller attaquer Randy Orton. Alors attention, je vais pas jouer les mauvaises langues jusqu'au bout, c'est joli. Voilà, l'imagerie est jolie, les gens sont contents, et c'est le gros problème de toute cette affaire avec le film, c'est que, avec tout ce qu'il a accompli par le passé, il a placé nos attentes à peu près... là, et on est arrivé des fois en termes de subtilité à un niveau qui est, voilà, je touche mon pied, même pas je touche l'étage d'en dessous, c'est tellement bas, c'est arrivé trop bas. Le Fiend, depuis cette boîte, va sauter directement sur Randy Orton, lui porter une grosse corde à linge, et c'est le début de ce combat 1 contre 1 qui va se dérouler dans l'ambiance de la fameuse lumière rouge. Qui nous avait pas manqué. Un match de catch avec tout de suite, hein, Uranagi, des gros plans sur le Fiend qui fait peur, Randy Orton qui roule à l'extérieur, qui va tenter sa backdrop, hein, Vintage Orton, un backdrop sur la table des commentateurs, et le Fiend qui revient immédiatement avec une mandible claw. L'image est jolie, hein, de retour du Fiend qui vend pas, mandible claw, très sympa. Randy Orton va tenter une première fois son DDT, le Fiend va s'en dégager, il va le tenter une deuxième fois, de ce fait, tant qu'à faire, autant le faire deux fois, ça a toujours pas marché. Un petit hommage très subtil rendu par Bray Wyatt au regretté Brody Lee. Il va faire le petit signe de Brody avant de porter une magnifique Morishima Lariat. Le Fiend est en contre. Randy Orton tente de revenir, il va à nouveau porter son DDT, mais ça marche pas depuis le début, ça tourne en rond, hein, cette affaire. Et pourtant, dans ce match qui va durer à peine 6 minutes, le Fiend réussit à contrer un RKO, à porter la mandible claw, il est prêt pour porter le Sister Abigail et le climax, tu vois, toute histoire totalement folle, il faut un climax, quelque chose d'inattendu. Les flammes jaillissent des poteaux du ring, le retour du feu. Heureusement qu'il a pas plu, hein, si le vieil homme au loin... Hein ? Qu'est-ce que je vais faire pour mon vieil homme au loin, j'ai... Et là, on découvre... Alexa Bliss qui jaillit de la boîte. Enfin non, elle est assise en tailleur sur la boîte avec le pentacle derrière elle. Elle porte une espèce de couronne sur la tête. De cette couronne tombe et perle sur le long de son visage du pétrole. Voilà, elle a trouvé un puits de pétrole. Dans la boîte, il y a tout le pétrole du Fiend. Le Fiend, en fait, est ultra millionnaire. Et le Fiend de ce fait est très dérangé par cette image d'Alexa Bliss qui, je ne sais pas, l'invoque à revenir à son, état végétatif d'avant. On se comprend. En fait, on n'a rien compris. Puisqu'Alexa Bliss va créer elle-même une distraction qui va permettre à Randy Orton de porter son RKO et de remporter la victoire 1-2-3. Voilà. Donc Randy Orton a gagné. Il se dit merde, je veux vite me barrer de cette affaire. Là, il repart et on est là face à une fin de match hyper intrigante. Non, vous êtes pas intrigué? La lumière revient à la normale. Le masque du Fiend est vraiment pas beau, hein. Le nouveau là. Échange de regard entre Alexa Bliss, le Fiend, et très subtilement, le Fiend va faire un gros crachat, il va faire un gros molar et il va dire no. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Donc le Fiend n'est pas d'accord avec ce que fait Alexa Bliss. Bah oui, elle lui a coûté le match de ce fait, donc bah... Les lumières vont s'éteindre et Aleister Black va apparaître et s'allier à Alexa Bliss pour combattre le Fiend. Et non, pas du tout. Bah non. Non, ils ont rallumé les lumières, il n'y a plus rien. Il y a juste la boîte et les gens qui faisaient boue. Bullshit, CM Punk, ils n'étaient pas contre. Voilà, c'est tout pour cet opener. On n'a rien compris, mais... Mais vous le saviez que vous alliez terminer le truc comme... Ah bah oui, il est pas là, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire, là? Mais vous le saviez que vous alliez terminer l'histoire comme ça? Oh oui, c'était le projet depuis le début. Alexa Bliss qui manipule le Fiend qui va devenir gentil, qui va essayer de se libérer de tout ce que lui fait Alexa Bliss. Ah là là, ah ah, c'est fun, ouais. Oh mais quelle bonne idée, quelle profondeur d'écriture. Il faut regarder Raw, c'est écrit avec soin, c'est le Raw après WrestleMania. Toutes les explications vous n'aurez pas à WrestleMania, il faudra bien les regarder à Raw. Et vous savez quoi?
Non. On vous remontrera des images de tout ce qui s'est passé à WrestleMania à la télévision américaine et rediffusé sur AB1 en France. Oh, vous faites même la promotion de ce qui se passe en France. Vous êtes incroyable, vieil homme au loin. Ah, c'est sûr. Et c'est... Je vais arrêter là, je sais pas comment finir avec ce truc. Bon, c'était nul. J'espère qu'on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux, de plus festif. Bah oui, on va retrouver Hulk Hogan et Titus O'Neil déguisés en pirates à nouveau, qu'ils soient avec Eric Bischoff. Ils seront interrompus par Bayley. Bayley, elle dit oui, j'aimerais bien aller dans le podcast là d'Eric Bischoff. Eric Bischoff, il dit ouais, je préfère avoir Bianca Belair. Bayley, elle devient gênante. Eric Bischoff, il fait je vais aller voir le bateau d'un peu plus près. Et Hulk Hogan, il fait ah oui, allons voir le bateau. Et Titus O'Neil, il fait ah ouais, j'aimerais bien aller voir le bateau. Il donne son chapeau à Bayley. Bayley, elle est pas contente et c'est fun. Second match de la soirée, la grande opportunité de Tamina et de Natalia au championnat par équipe féminin de Nia Jax et de Shayna Baszler. La Tamina Mania, on nous remonte des images de la grande victoire de Tamina qui a fait l'hommage à Jamie Snuka avec le saut, voilà. Oh, Shayna Baszler qui était jalouse du maquillage d'Alexa Bliss, elle a voulu se faire le même. Elles sont toutes maquillées un peu bizarrement cette semaine. Et je vais tout de suite voilà, y aller sur un point. Je vais pas faire une revue dans le détail, mais ce combat est un accident de voiture que je recommande à tout le monde de voir et d'essayer de comprendre. Une histoire à l'ancienne racontée à la perfection, mais interprétée avec une technique totalement rabée, tu vois, c'est... En fait, c'est un match de catch, mais suédé, pour ceux qui connaissent, tu vois, les trucs, les films suédés. Parce qu'il y a rien qui va, tu vois, même Tamina, au moment d'aller faire son face-off, tu vois, de faire son premier face-off avec Nia Jax, elle fait le tag, et elle, t'as vraiment l'impression qu'elle a pas envie d'être là, c'est chaud. L'histoire du match, c'est qu'elle va teaser à plusieurs reprises, tu vois, un enfourchement sur Nia Jax, Nia Jax va la contrer, et j'aime bien, parce que ça, c'est du storytelling, tu vois, c'est des trucs très simples, amenés, c'est Hulk Hogan, André le Géant. Pour réussir, tu vois, sur la troisième tentative, elle fait un body slam tout pourrave, et tout est loupé. Et il s'est passé un truc, c'est que le public était à fond derrière Tamina, à fond derrière l'accident de voiture. Elle est capable de sortir de la clutch de Baszler, elle va lui... Tamina Hachi! Elle a fait Tamina Hachi, elle a fait un Dragon Screw, la pourrie. Et elle est en souffrance, elle transpire, elle loupe, elle botche même des tags avec ta... Ils ont réussi à botcher un tag, elles doivent normalement faire le hot tag et elle passe à côté de la main. Bref, dans l'in-ring, y a rien qui va, ça dure 14 minutes, ça sera le deuxième match le plus long de la soirée. Et l'histoire est super. L'histoire est incroyable, j'étais à fond dedans. Tous les plans sur les gens qui sont à fond dedans, et puis la tristesse totale de voir Tamina rater son splash depuis la troisième corde, de voir Natalia porter le sharpshooter sur Nia Jax, mais Nia Jax c'est pas légal, y a Shayna Baszler qui arrive, qui met sa clutch, et c'est terminé. Abandon est toujours championne par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler. Le plan sur Tamina qui est en pleurs avec Natalia, je comprends le délire, je comprends les gens qui se sont mis à fond derrière, c'est... Puis voilà, vous le savez, j'ai une sympathie pour Tamina, mais oh la vache, c'était nul, et c'était super à la fois, c'est incroyable, vive le catch. Bon, à un moment, on va peut-être faire du catch un peu. Et bah comme, tu vois, peut-être les deux premiers matchs de la nuit 1 qui m'avaient un peu déçu, et la position, tu vois, de Cesaro et Seth Rollins pour relancer le Warcraft, et bah c'est Sami Zayn qui s'y colle avec Kevin Owens. Sami Zayn est le premier à venir au ring, il va faire une promo pour introduire son ami Logan Paul, hein, son ami qui l'a snobé lors du dernier épisode de SmackDown, et finalement, non, Logan Paul, il vient. Bon, ils se font un câlin, ils se font un hug, Logan Paul va aller s'asseoir un petit peu plus loin, et entrée de Kevin Owens qui est un feu incroyable. Kevin Owens qui connecte avec le public, et le public lui rend tellement bien. Et ça va pas durer si longtemps, parce que seulement 10 minutes de match, même si la connexion entre les deux catcheurs se fait particulièrement bien, je vais plus m'attarder sur la fin du combat où Sami Zayn a réussi à porter son Hell of a Kick. Il va pas faire le tomber, il va garder Kevin Owens près de lui, lui dire si ça se passe comme ça, c'est entièrement de ta faute. Il va vouloir faire son finish une seconde fois, Kevin Owens va le contrer tout de suite, super kick, hop, deuxième super kick, là cette fois-ci c'est Kevin Owens qui met en garde Sami Zayn que le combat approche à sa fin, et en effet, le stunner, 1, 2, 3, les gens sont contents. Logan Paul un peu moins, parce que bon, Sami Zayn a perdu, il vient auprès de lui, et c'est là en effet que l'aftermatch est totalement attendu. Logan Paul veut féliciter Kevin Owens, Sami Zayn s'en mêle et il est pas du tout content, c'est moi qui t'ai invité, tout ça. Logan Paul finit par repousser Sami Zayn et Sami Zayn se casse et il va lever la main, Logan Paul, de Kevin Owens. Et là, il y a des huées dans tous les sens. En fait, Logan Paul a une superbe hit auprès du public. Kevin Owens, il en revient pas, tu vois que Logan Paul lui lève le bras, il va regarder sa main plusieurs reprises et il va y avoir des plans absolument fous de tous les gens qui vont chanter yes. Paul lui vend ça comme si, ouais, bravo, c'est bien de l'applaudir puisqu'il a gagné tout ça. Et bim, voilà, le stunner, on n'en parle plus, les gens sont contents, le match était peut-être un peu en dessous de nos espérances, mais très cohérent par rapport au build-up de la storyline. Et on est parti backstage pour le segment bro-bro, le segment de Matt Riddle, qui fait de la trottinette et qui va croiser le Great Khali. Wow, qu'est-ce que t'es grand.
grand. Montre-moi ta bague du Hall of Fame. Wouah, qu'est-ce que t'as des grandes mains, elles font la taille de ma tête. Un gosse de 6 ans, il est hilarant. Parce que là, avec le Great Khali, c'est... on aurait ce genre de réaction-là, tu vois, des d'émerveillement quand tu vois le Great Khali. Quand tu vois le Great Khali, tu fais oh, oh, il est grand. Et là, il part dans son délire. Oh là là, mais on va faire du business ensemble. On va ouvrir un magasin avec que des choses grandes. Des grands vêtements, des grandes toilettes et des grandes trottinettes. Et le Great Khali, il répond pas. Et ça crée une espèce de petit moment de malaise, mais le Great Khali, le joue super bien, tu vois. Matrillon, il fait, il y a pas un traducteur pour lui expliquer tout ça. Et là, c'est Rob Van Dam qui arrive, oui. On avait espéré voir Rob Van Dam et Matt Riddle à WrestleMania, parce que c'est la collection Bro Dude, et puis ça plane très fort. Et Rob Van Dam, il veut faire du business avec le Great Khali, pour comprendre quel business il parle. Et voilà, il leur file à chacun des feuilles à rouler. On a compris, hein. On a compris. Voilà, là, il y a plus trop de subtilité. C'était fun, hein. Mais on est parti pour de l'action et le match qui va être selon moi la très très bonne surprise de ce WrestleMania Nuit 2, Matt Riddle contre Sheamus. On nous remonte bien entendu des images de... Bah on les connaît de toute façon. Voilà, Matt Riddle qui va faire son entrée, qui va dévaler toute la robe de WrestleMania avec sa trottinette sans se planter, c'est pas mal. Le spot claquette, les oiseaux! Les oiseaux pirates! Ils ont mis des oiseaux! Et le match est particulièrement rude et la performance de Sheamus est un peu folle. Sheamus, là, plus ça avance, plus je me dis, est-ce qu'ils vont faire un jour je commence à voir comme dream match un Sheamus contre Walter. Vous imaginez à quel point j'en suis? Ça va durer 10 minutes, c'était un super format pour ce combat, voilà, totalement au milieu de la carte pour le championnat des États-Unis, je le rappelle. Matt Riddle qui a dû s'y prendre à deux reprises pour porter à Jackhammer sur Sheamus, et Sheamus qui a tenté un White Nose depuis la troisième corde. Voilà, et ben ça a glissé, ça l'a pas fait. Finalement, il l'a porté, il a enchaîné avec un King Gong knee drop. J'ai même pas envie de... Oui, il y a ces petits botches, mais j'ai vraiment pas envie de leur tenir rigueur parce que l'investissement physique dans ce combat était plutôt chouette. Et ça va se terminer avec le magnifique pied-bouche de Sheamus qui va contrer une tentative de Lion Soul de la part de Matt Riddle avec un Brock Kick à la volée et pied-bouche, voilà, 1, 2, 3. Et la gueule de Matt Riddle avec les lèvres en sang, il ne l'a pas raté. C'était hyper, hyper, hyper impressionnant. Et nouveau champion des États-Unis, Sheamus. Le vieil homme au loin ne s'est pas trompé, figurez-vous, on a bien vu Triple H à WrestleMania dans un clip où il a remis une mallette à Bad Bunny en le félicitant pour ce qu'il avait fait la veille, et en fait dans cette mallette il y a un micro parce que Bad Bunny part en tournée mondiale. Bad Bunny, j'ai oublié d'en parler, mais le jour où il reviendra faire un coucou à la WWE, je pense qu'il aura un accueil hallucinant. On enchaîne avec un troisième combat mid-card assez intéressant de cette carte de WrestleMania, c'est Apollo Crews contre Big E, avec un Big E qui va avoir une entrée fantastique avec le rappeur Wale. Ça va, franchement, ça m'a donné envie de voir Big E, de le voir step up, tu vois, d'arriver dans le... d'avoir sa chance contre Roman Reigns, voilà, c'est ça que ça m'a donné. Apollo Crews vient au ring et on découvre que cette stipulation du Nigerian Drum Fight est en fait une espèce de street fight avec des objets autour, c'est un petit peu comme c'était quoi, Symphony of Destruction avec des... De toute façon, ils vont même pas faire un coup de tambour, ils vont jamais utiliser un tambour pendant tout le bordel. Non, ils vont se battre avec des kendo sticks, ils vont se battre avec les escaliers du ring, et c'est chiant. Bon, je sais, ça rappelle un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé à SmackDown entre les deux, mais il y a toute une phase un petit peu chiante dans un match qui va durer à peine plus de 6 minutes. Big E va contrer un splash d'Apollo Crews qui va passer à travers la table, il va porter son big ending, et Dabakato, qu'on n'avait pas vu depuis Raw Underground, Dabakato qui vient avec apparemment un nouveau gimmick pour aider Apollo Crews à remporter la victoire. Dabakato qui devrait être renommé visiblement Commander Aziz, voilà, troisième nom pour Dabakato, sans qu'on en ait vu grand chose jusqu'à présent, et jouer les sidekicks, voilà, auprès d'Apollo Crews qui est votre nouveau champion intercontinental. C'était assez anticlimatique, très décevant par rapport aux attentes que j'en avais, mais bon, on aura de quoi ralimenter le feu, je pense, dans les semaines à venir à SmackDown. Il va y avoir toute cette période où on va nous remontrer les images de la nuit 1 de WrestleMania, une petite revue de presse, voilà, qui est toujours intéressante à regarder, où en effet un Bad Bunny a volé la vedette, la cérémonie du Hall of Fame, et l'ambiance de ce fait retombe totalement pour accueillir le match de championnat féminin entre Asuka et Rhea Ripley. Je me suis dit, si elles sont semi-main event, peut-être pour nous faire une belle surprise à la fin, ramenez-nous Becky Lynch, Ronda Rousey, faites quelque chose. Non, on va rester, tu vois, dans la sobriété d'un chouette combat de catch où il n'y aura pas de surprise. Un très beau clip de présentation là encore qui réhabilite un petit peu dans le game Asuka, qui n'a pas été des plus respectés ces dernières semaines, hein, souvenez-vous, hein, la partenaire de Charlotte, hein, tout tourné autour de Charlotte et Asuka, championne. Pff, Balek. Ash Costello qui chante le thème de Rhea Ripley en live, c'est
Bon, c'est pas toujours bien les thèmes en live. Asuka qui, bien entendu, a la même maquilleuse que tout le monde. Le match démarre, c'est plutôt bien. Mais est-ce que justement la longue période d'un peu plus de 20 minutes, voilà, où il n'y a pas eu de catch, m'a un petit peu coupé les pattes? En 13 minutes, Rhea Ripley va devenir la nouvelle championne de Raw et j'ai moins d'investissement pour Rhea Ripley. Et je réfléchissais justement au fait comment on s'est investi autant en Rhea Ripley. Bah, c'est tout simplement NXT quand elle est revenue en mode trop badass pour aller défier une Shayna Baszler méga forte en fait. Et elle était babyface. Je suis content qu'on prenne de nouvelles directions dans cette division féminine qui tournait un peu en rond à Raw, hein, qui n'était pas des plus respectés. Pas de surprise au moment où ça s'y apprêtait le plus, peut-être pour chauffer les gens avant le main event. C'est pas le main event tout de suite, vous savez pourquoi? Parce qu'on nous remontre des images du match entre le Fiend et Randy Orton pour que vous ayez bien envie de regarder Raw demain. Ils nous ont remis quasiment toute l'intégralité du match, mais sans le match en fait, avec juste l'entrée du Fiend, le spot final, Alexa Bliss, voilà. En fait, le catch, on s'en fout, c'est juste ça, tu vois, qui peut être intéressant. Et bah, regardez Raw, ça, je pense que c'est la consigne, c'est regarder Raw. Bon, on peut l'avoir, notre main event? Non, vous l'aurez pas. Vous allez avoir Hulk Hogan et Titus O'Neil qui viennent remercier les gens avec un Titus O'Neil qui est fatigué, il commence à chercher ses mots. Bailey qui se pointe, Bailey qui veut avoir son moment à WrestleMania, elle fait envoyer ma pyrotechnie. Là, ça aurait été marrant qu'il y ait un petit pétard comme chez All Elite Wrestling. Pas du tout. Ils ont mis les gros feux d'artifice pour Bailey, elle est contente, voilà. Et puis là, les Bella Twins arrivent. Oui, les Bella Twins, au moment où on n'a pas envie de les voir sur le show. Elles sont là. Bon. J'aurais bien voulu les voir à n'importe quand, mais pas là, pas au moment où je m'apprête à voir le main event et où là on commence à être fatigué. Qu'est-ce qu'elles ont comme interaction, Bailey et Bella Twins, à raconter? Bah bien entendu, hein, qu'est-ce qu'on va dire à Nikki Bella? Oh bah pourquoi t'es là, John Cena il est pas là? Voilà. Et voilà, ça, à quoi est rabaissé Nikki Bella désormais à la WWE? T'es l'ex de John Cena, c'est ça? C'est... Eh... Elles vont attaquer Bailey, elles vont l'envoyer faire des roulés-boulés sur la rampe et tout le monde pose à la fin, voilà, tout le monde reste fort, sauf le public, bien entendu, qui qui en a marre, il veut son main event, le public, bon ça va, on va l'avoir le main event, il est annoncé. Les entrées sont belles, c'est Daniel Bryan qui va rentrer le premier, avec les yes et tout, tu vois, ça fait du bien, parce que là c'est une énergie qui manquait, vraiment, là, surtout sur les dernières minutes. L'entrée de Edge m'a filé des frissons, et je pense à filer des frissons au public tout entier. Déjà, ne serait-ce que le début, tu vois, les nuages de fumée pour son entrée. Et là, c'est très symbolique de Edge, il sort de la fumée, il va faire un coucou à droite, un coucou à gauche, il pose, voilà, sur la rampe, les feux d'artifice derrière, et c'est un Edge que j'ai senti ultra motivé. Je reviendrai bien entendu sur Edge un petit peu plus tard. Le gros chien, là aussi, hein, ça pue la classe, le gros chien qui vient accompagné de Main Event, Jey Uso qui a un nouveau t-shirt, hein, la main droite, hein, voilà, de Roman Reigns. Il fait ce qu'il veut avec sa main droite, hein. Et Paul Heyman qui regarde Roman Reigns comme tout le monde aimerait être regardé par une femme un jour, quand on est un homme, ou que pour une femme, comment un homme, enfin vous comprenez. Les caméramans qui sont taqués pour faire des plans géniaux, il y a ce plan que j'adore avec Edge, hein, qui est de dos par rapport à Roman Reigns, qui le regarde juste derrière lui, parce que c'était ça normalement l'affiche de WrestleMania, et c'est un petit peu l'histoire, hein, qui va ressortir. Sans faire un storytelling complet du match, il y a quelques points clés sur lesquels j'aimerais m'attarder, notamment le début de match où Jey Uso va foutre la merde. Jey Uso, il va mettre un super kick à Edge, puis à Daniel Bryan. On va remercier Edge, voilà, qui lui s'est débarrassé de Jey Uso en lui portant un execution sur un escalier. Les médecins sont venus, tu vois, rapatrier Jey Uso backstage, et on se dit, tu vois, dans l'esprit des gens, qu'il n'y aura pas de bullshit. Daniel Bryan a eu toute sa petite série de phases plutôt chouettes, où il a porté les yes kicks à tout le monde, toute sa rage, tu vois, qui s'est ressentie dans son catch. Mais Daniel Bryan, au final, je l'ai trouvé assez effacé par rapport à l'incroyable présence de Edge. Edge m'a scotché pendant l'intégralité de ce match. Il y a un spot qui est un peu fou, où Daniel Bryan est out, il vient de se prendre un powerbomb de la part de Roman Reigns, donc il fait dodo à l'extérieur du ring, donc on a cette confrontation entre Edge et Roman Reigns, où Edge est parti chercher des chaises, tu vois. Roman Reigns va essayer de récupérer la chaise, et petit détail très subtil, Edge va arracher, tu vois, un des petits barreaux de la chaise. Il va le regarder comme ça, le poser un petit peu plus loin, il va y avoir un échange entre les hommes, hop, crippler crossface de la part de Edge sur Roman Reigns. Roman Reigns à la force, il essaye de s'en sortir, et Edge prend le petit barreau qu'il a fait tomber tout à l'heure, et bam, il le claque entre les dents de Roman Reigns, et il tire, et ça tire, il met de la pression de fou, l'image est incroyable, les expressions faciales, que ce soit celle de Edge ou de Roman Reigns, sont folles, et Roman Reigns, qui est peut-être sur le point d'abandonner, se fait arrêter, tu vois, dans sa tentative d'abandon par un Daniel Bryan qui revient, qui l'empêche d'abandonner, et qui lui porte de son côté, de l'autre côté, un yes lock. Les deux mecs sont en prise de soumission de chaque côté, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros duel d'ego entre Edge et Daniel Bryan, il y a Roman Reigns qui souffre, qui est limite en train de tomber dans les vapes, ils vont se mettre une série
de coups de tête, les cons, les sagouins, remportés par Daniel Bryan qui va prendre l'ascendant, qui va amener ses coups de pied juste avant, tu vois, qui met ses coups de pied au sol sur la nuque de Edge, il va lui dire « Pareil que t'as été blessé à la nuque, hein, t'as été gravement blessé à la nuque, hein, on va voir si elle tient ta nuque. » Il va tenter son coup de genou, mais Edge va lui caser la spear à un moment que j'ai trouvé parfait, esquiver le Superman Punch de Roman Reigns pour lui porter une spear, il a le match gagné, Edge, 1-2, et Daniel Bryan qui retire le pied de l'arbitre, voilà, qui Edge, là, il devient fou. Il y a des plans, non, là, il pète véritablement un câble, c'est le Edge psycho totalement possédé qui va aller chercher des chaises à l'extérieur du ring pour aller porter les codes Charto, on se doute qu'ils vont tomber. Il va d'abord laminer Daniel Bryan à l'extérieur du ring, le ramener dans le ring, placer la chaise sous sa tête, porter le coup de chaise, Daniel Bryan, c'est bon, il est out. Il est prêt à faire la même à Roman Reigns, on le voit, il a une tête de possédé, j'adore les plans sur Edge. Et c'est Jey Uso qui va l'en empêcher, Jey Uso, la fouine Jey Uso qui continue de foutre sa merde. Jey Uso qui se sacrifie pour son leader Roman Reigns qui va porter la spear finale. Pas gagné, parce qu'il va pas chercher à gagner avec la spear, il va lui aussi faire un concerto à Edge pour marquer le coup. Il va placer Edge sur Daniel Bryan, mais il va mettre, tu vois, les épaules de Edge au sol en même temps et faire le tomber sur les deux, voilà, parce qu'on se réfléchissait sur qui il va faire le tomber, qui va être protégé. Non, là il vient d'éliminer sa compétition, il vient de gagner le match Roman Reigns, les deux catcheurs avaient les épaules rivées au sol, même si, voilà, le FC complotisme va dire « Oui, Edge, il était au-dessus de... » On s'en fout, c'est pas grave. C'est, là pour le coup c'est pas grave, l'image c'est que Roman Reigns a battu les deux et pas, y a pas un mec protégé qui pourra dire oui mais un excellent main event pour conclure cette nuit de WrestleMania. C'était le match le plus attendu peut-être de WrestleMania, ça sera peut-être pas le meilleur de tout le week-end, j'ai préféré quand même la nuit 1, ça me surprend hein, parce que j'avais pas beaucoup d'attentes sur cette nuit 1, mais chapeau pour une nuit 2 qui est dans cette lancée, un WrestleMania qui quand même dans son ensemble est plutôt très réussi. Voilà, je suis fatigué. J'en peux plus. La couverture de WrestleMania, ça a quand même été un incroyable défi. Et demain, vous le savez, le Raw Recap. Est-ce que le sel va être de retour? Est-ce qu'on va garder un petit peu de magie et d'euphorie? On va très certainement nous remontrer des images de tout ce qui s'est passé à WrestleMania. Hein. Attendez-vous à ce que ça soit encore une fois un petit peu redondant. Vous le savez maintenant, on se dit à très vite sur la chaîne C'est Sale Catch. Merci pour les abonnements, merci pour le soutien, merci pour les pouces bleus. Et surtout, tout le monde, reste fort! C'est peut-être la fin d'une histoire. Alors c'est donc ça. Vous venez négocier ensemble contre moi, hein, depuis tout ce temps. Vous avez profité que je puisse plus avoir de fans pour me souffler toutes vos conneries. Raw Underground. Rétribution. Les Street Profits contre les Vikings. Et la fine Mysterio qui sort avec Murphy. Alors là, les mecs... Et ça, là, c'est quoi, ça? Tu penses sincèrement que tu peux lire l'avenir dans un jeu vidéo, toi? Mais vous oubliez un truc, les mecs. Ça fait plus de 35 ans que j'écris l'histoire. And your stories suck. Daniel Bryan, are you kidding me? This is not professional wrestling, bro. Ça va faire 2 ans que j'ai commencé à écrire ton histoire, Vador. Oh, tu m'as amusé, tu sais, avec l'Arabie Saoudite, c'était rigolo, hein. Le problème, c'est que... Ah, je sais pas écrire ta fin. Et comme pour Rétribution, Underground et toutes ces histoires-là qui commencent, là, quand je sais pas les terminer, je les supprime. Et sans donner d'explication. Alors oui, les fans vont être tristes, parce qu'ils t'aimaient bien, Vador. Il réclamait sans arrêt que t'apparaisses dans les vidéos. Quand est-ce qu'on retourne en Arabie Saoudite? On veut voir Vador. Mais ils vont pleurer pendant 2-3 jours et puis voilà. Oh, des déçus, j'en ai déjà fait, tu sais, mais... Ils finissent toujours par revenir. Tiens, et tu sais quoi, d'ailleurs? La véritable force. C'est pas les trucs, là, comme ça, là, où tu fais... Mais non, c'est ça, la véritable force. Le script. Et le script, c'est ça. Le catch.
dommage que personne a filmé ça. Mais avec vos conneries, là, je sais pas comment je vais terminer le film contre Andy Orton. Oh, et puis tu sais, on trouvera bien une connerie à faire. C'est fun!